à l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats, que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer, victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens philosophes de la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Dans ce contexte d'anomie, d'anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le rassemblement des députés de la République.